Hello les amis, on se retrouve donc pour le petit tuto habituel de la carte. Donc, désolé, je suis enrhumée, j'ai une crève, on est tous atteints ici. Parce que bien sûr, de 34, on est passé à moins 10 degrés d'un coup. Donc on est tous enrhumés, on a une trachéite, je sais pas quoi. Mais enfin bref, voilà. Donc aujourd'hui, allez, la voici, la voilà. Donc je vais éviter de trop parler quand même. Donc c'est une carte d'homme aujourd'hui. Donc je vous l'ouvre. Voici comment elle se présente. Donc j'ai fait sur la naissance, enfin sur un petit garçon. Bah, tout bête, hein, j'ai mis 4 bêtises hier. Donc voici quand vous ouvrez ce que ça donne. Vous pouvez l'attacher ou pas, hein, comme vous voulez. Donc à faire dans tous les styles, bien sûr. Hein, moi j'ai fait, d'ailleurs pour l'exemple, vous allez voir. Donc voici ce que ça donne. Donc une carte d'homme. À décorer, hein, bien sûr. Moi j'ai mis grosso modo des tampons, des petits trucs, bon voilà, c'est tout, hein. Vous défaites votre nœud, vous la repliez, la voici quand elle est à moitié repliée, vous la repliez, vous faites votre nœud, il faut peut-être garder un petit endroit pour écrire un petit mot. Je pense que derrière, voilà, ça c'est l'avant. Sur le derrière, vous pouvez laisser une petite place pour écrire votre petit mot si vous voulez en écrire un. Voilà. Allez, on est parti donc pour le dôme. Donc, pour ce faire, il vous faudra 4 ronds de 20 cm. Bon, là, pour l'exemple, j'ai diminué. J'ai fait 15 cm. Donc 7,5 de rayon, donc 15 de diamètre. Donc je les ai fait différents dans le vintage. Voilà, ça changera un peu. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces 4 ronds? Une fois que vous avez coupé vos 4 ronds, vous allez les plier en deux. Donc je vous montre, c'est assez facile à faire, hein. C'est juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc on plie en deux, bien sûr dans les deux sens, et on replie en deux. Alors attention de bien se mettre à cheval sur celui d'en face. C'est pas très compliqué. Jusque là, vous faites ça avec vos 4 ronds. Donc nous voilà partis pour les 4 ronds. Alors. Elle est très jolie cette carte. Voilà. Ensuite, moi je suis désolée, mais je fais le tuto entre deux prises de sirop parce que sinon je m'étouffe. Et voilà. Je je peux pas faire autrement. Une fois que vous avez fait vos pliages sur vos 4 ronds, donc on va les numéroter. Non, d'abord on va couper donc nos 4 ronds. Alors je vous montre à la marche à suivre sur un très très clair, comme ça au moins vous n'aurez pas de soucis. Donc sur celui-là, alors moi je coupe au pif, hein, vous le savez, moi il n'y a rien de vraiment très... Donc on va couper, vous mettez face à vous votre rond. Vous avez vos pliures ici, hein, on est bien d'accord. Donc on va couper cette partie là, jusque là c'est la partie qui est à droite vers vous, vous voyez ici. On va couper cette partie, on va la couper mais pas sur le trait, on va laisser 1 cm à peu près, je dis bien, ne jetez pas vos chutes, vous en servirez pour et là on va couper en diagonale pour pouvoir former notre dôme. Voilà, donc ce sera collé par en dessous, d'accord. Voilà, on fait ça sur tous les ronds. Ouais. Donc ici vous allez mieux le voir, je coupe un devant vous. Si vous voulez mesurer 1 cm, vous le mesurez, hein, mais moi, bon, je ne mesure pas, hein, quand je coupe comme ça. Surtout que c'est un truc que vous allez coller, quoi. C'est pas très important, c'est en dessous. Voilà, il suffit de laisser un petit bout pour pouvoir coller votre dôme. C'est pas très difficile à comprendre. Voilà, donc là je suis bien là, hop, et donc là je vois rien sur les écritures, je vais le couper à l'envers, parce que... entre le violet l'autre jour et le journal, là. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc, on fait celui-ci. Alors celui-ci, j'avais dit que je le mettais dans ce sens-là. Non, j'en ai mis un déjà, donc. Alors ouais, je suis bien tête. Hein. On est tous, même mon mari, je sais pas qui nous a refilé j'ai un petit truc là. Je crois que c'est mon fils. Ou les petits, hein, avec l'école. Voilà. Donc là maintenant, on va garder ces petites chutes. Ça, on va le jeter. Et là, on va coller tous nos dômes. D'accord? Donc, un peu de colle. Ah, ben la mienne est restée ouverte. Alors ça, pas trop bon, hein? Voilà. Donc un peu de colle sur la languette, hein. Je vais pas vous apprendre à coller une dôme quand même. Si elle veut bien couler la mistouflette là. Voilà. Ne mettez pas 3 tonnes, hein. Déjà là j'en ai trop mis. Voilà. Donc là, vous positionnez, vous appuyez de façon à ce que ce soit bien droit, et voilà, vous avez une dôme. Pareil pour les 4. Bon, je vais mettre la colle sur les 4, sinon je vais attendre des plombes, parce que vu que le truc est presque vide, voilà, comme ça au moins. Voilà, ben, pareil, hein, faites ça, hop, et hop, voilà, c'est collé. Bon, jusque là c'est pas très... vérifiez que vous soyez bien calé quand même. Voilà. Et le dernier. Alors si c'est un peu trop grand d'un côté, bon, parce que moi mes ronds je les ai découpés hier soir à la chandelle presque, à la lumière. Donc vous recoupez, voilà, je vois qu'il y a un petit bout, voilà, je l'enlève. Donc voilà, vous avez vos 4 dômes. Donc là maintenant, on va les nommer. Donc par exemple celui-ci, je vais l'appeler le 1, le 2, le 3 et le 4. Marqué au crayon comme ça, ça s'efface. Alors si vous devez décorer, en principe, surtout ces parois là, ces parois ici, comprenez bien que ça va être un peu ce style là, puisque vous avez vu déjà ma carte. Donc pour pouvoir décorer après, c'est un peu compliqué, donc faites-le avant ou même à plat avant de les former. Voilà, ici c'est toujours possible, hein, ça sur le plat, il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va reprendre les numéros. Donc le 1, le 1 va être collé donc avec le numéro 2. Bon, bah, ça c'est pas très difficile, hein. Donc voilà, le 1 et le 2. Ok, on va faire ça. Donc vous collez une part. En fait, vous allez faire 3 collages. Donc vous allez coller les 2 parts. Donc je mets sur le 2. Allez, je suis au bidou. Bon, là c'est pareil, n'en mettez pas 10 kilos. Voilà, faites ça. Venez joindre. Vous regardez que ce soit bien stable en bas. Comme ceci. Et stable en haut. Après, si c'est trop grand, trop petit, trop machin, vous ajusterez. Voilà. Le tout, c'est que ce soit bien plat. Hein. Voilà, donc là, ben, je vais appuyer, hop. Ah non, c'est pas celui-là, je suis bête, c'est celui-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets dans un angle de mon bureau et j'appuie avec, bon là, vous ne me verrez pas, mais mettez-vous sur un angle et vous appuyez et comme ça, vous êtes tranquille. Un angle de papier, c'est de la colle qui sort. Voilà. Donc le 1 avec le 2. Je tourne, j'appuie sur l'autre partie. Voilà. Vous voyez? En se mettant sur un coin de bureau, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, vous avez vos numéros. Hein. Donc le 1 et le 2. Ils sont là, le 1 et le 2. Donc là, une fois que vous avez fait le 1 et le 2, ben vous allez faire le 2 et le 3. Comme par hasard. Alors ça, c'est le 4. Donc le 2 et le 3. Voilà. Donc, deuxième collage, c'est cette paroi, en fait. Comme ceci, le 2 et le 3, dos à dos, comme ceci. Ouais, moi je découpais vraiment à l'arrache mes ronds, hein. Il y en a des plus gros, des plus petits, alors regardez bien qu'ils soient tous de la même dimension surtout, hein. Bon là c'est vraiment pour le tuto, mais je recouperai après, mais j'ai fait n'importe quoi. En plus, j'avais de la fièvre hier soir, donc j'étais dans le coltard. Mais bon, voilà. Fallait que je le fasse. Alors, je fais n'importe quoi en plus. Donc là, je me mets dans mon angle pour appuyer, comme je vous ai dit. Voilà. D'un côté et de l'autre. En fait, c'est des deux côtés. Hein. Voilà. Et là, vous avez déjà votre petit plateau avec... Vous voyez ici, j'ai coupé, donc trop court. Bon, c'est pas grave, je vais l'arranger. Mais ça ne gênera en rien, hein, sauf ici, ça fera pas beau, vous voyez, il y a un décalage. Donc voilà. Ensuite, ben, c'est tout simple, hein, 3 avec 4. Et donc il va vous rester, je sais pas si vous voyez, et quand on va coller celui-ci, le 3 avec le 4, voilà, il vous restera donc ces deux-là qui ne seront pas collés. Le 1, le dos du 1 et le dos du 4, d'accord ? Donc 3 collages, effectivement. Allez, on y va. Celui-là, je l'ai collé n'importe comment. Je fais n'importe quoi. Voilà. Donc là, ben, je colle le dernier, en fait. Hein. C'est tout bête. Voilà, ils sont collés et ici, ils ne sont pas collés. Ok. Allez, choubir. Alors, je me mets dans l'angle, toujours pareil pour pouvoir appuyer. Voilà. Voilà, là vous avez vraiment un dôme. Alors vous recoupez pas, vous faites comme vous voulez. Bon, après je vais couper parce que c'est vraiment pas beau. Alors ce que je vais faire. Voilà, déjà un. Voilà. Ensuite, si vous relevez un petit peu, vous voyez, si vous relevez là, vous allez voir que tout de suite, regardez, ça va se plier tout seul. Si vous voulez laisser sécher un petit peu. Laissez sécher comme vous voulez. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer. Alors, vous venez avec cette arête-là sur celle-là. Alors là, ça sera d'abord à la main. Hein, pour marquer un peu l'arête. Voilà. Comme un parapluie, en fait. Et vous refermez celle-ci. Donc, avec celle-là. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous ramenez à chaque fois. C'est tout bête. Si je me mettais dans le viseur, ce serait mieux. Voilà. Et le dernier. Comme ceci. Voilà. Alors là, ça fait vraiment une petite carte. Hein, avec du 15. Voilà ce que ça vous donne. Grosso modo, si vous voulez marquer vos plis, vous les marquez. Si vous voulez faire des petits œillets pour la tâcher, vous pouvez les faire en bas aussi, les petits œillets. Ça la tiendra beaucoup plus droite, en fait, quand la personne va l'ouvrir. Vous pouvez mettre deux fermetures aussi. Hein. Moi, j'en ai mis qu'une, mais vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc ici, bah, vous allez remarquer ou pas vos traits. Moi j'aime bien, je laisse un petit peu, j'aime bien le style un petit peu comme ça, là. Voilà, j'aime pas quand c'est trop plat, Bon, sauf que il faut pas oublier que c'est une carte à la base. Donc voilà. Et vous voyez, comme je vous le disais, donc ce côté-ci qui est l'ouverture. Donc c'est le côté où vous allez décorer un petit peu. Par exemple, là, c'est en vintage. Et sur celui-ci, vous pouvez donc découper un éventail et marquer votre petit mot. Alors, les chutes. Pourquoi je vous ai dit de garder vos chutes ? Chutes. Parce que vous allez en récupérer quelques-unes que vous allez pouvoir retailler. Et vous voyez ici, on ne voit pas trop. Hein, donc, je vais vous le faire sur celui-là. Donc, vous allez retailler et coller comme j'ai fait sur la grande. J'ai récupéré tout bêtement mes papiers. Je n'ai pas redécoupé un autre papier. Voilà. J'ai retaillé. On voit bien que ce sont les papiers que j'ai mis là. Et vous, moi j'appelle ça des parts de camembert. Donc vous découpez des parts, vous les retaillez là-dedans, hein, comme il faut. Normalement ça fait ça. La gorge à feu là. Donc si vous voulez vous plier en deux, logiquement en pliant en deux, alors bien dans le truc, hein. Voilà, là on y est. Vous voyez comme ça fait, ça vous fait gonne, hein, tout bêtement. Vous recoupez ici, voilà, vous allez couper en deux. Donc ça fait que vous allez faire toute votre base déjà avec des papiers que vous avez déjà. Voilà. Ok. Donc ça va vous faire par exemple comme ceci. Et celle-là, bah, je vais la mettre là pour vous montrer. Voilà, ça fait comme ça. Voilà. Et là vous faites tout le tour. Vous décorez, vous mettez une fermeture ou deux comme vous voulez. Et votre carte est terminée. Voilà, je suis désolée, je vais pas m'éterniser, mais bon, voilà, j'ai des quintes, je m'étouffe, donc ça sert à rien. Donc là, vous pouvez recouper ce qui dépasse, vous pouvez régler. Hein. Par exemple, moi j'ai un bout ici, je me calque sur l'autre. C'est pas plus compliqué. Celle-ci est bonne, voilà, bon, c'est très bien. Par contre ici j'ai la pointe qui sort. Après ça se verra pas, hein, c'est parce que moi je suis casse le bonbon, voilà. Je le sais que ça dépasse, il y a encore, même pas. Ouais, le mieux c'est de le faire avec un petit ciseau, parce que j'ai pris... voilà. Donc c'est bon. Ça dépassait un peu, même celui-ci là qui dépasse. Donc tâchez de bien découper vos ronds, surtout, pas comme moi. Hein. Et voilà, votre carte est terminée. Donc, vous voyez, c'est assez rapide, c'est original, parce que je la trouve très originale. Vous pouvez chercher, mais il n'y a pratiquement pas de tuto hein, là-dessus. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Moi, je l'avais noté il y a très longtemps. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui en avait fait, je crois. Et encore, je ne suis pas sûre. Oui, elle avait fait une carte naissance en plus, il me semble. C'était sur un blog. Mais bon, c'était pas très bien expliqué. Bon, voilà. Donc là, vous avez les explications comme il faut. Et voilà, vous pouvez pas vous tromper, hein. Voilà, en refermant ma petite celle-ci, qui est très jolie. Ça fait une jolie carte quand même, hein. Voilà. Donc, en vous souhaitant une bonne journée, et bon lundi surtout, parce qu'on est lundi, il ne faut pas l'oublier. Moi, je vais terminer ça, et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle carte. Au revoir.